Denis Laliberté. Je suis directeur photo, réalisateur et producteur. J'habite Cascapédia Saint-Jules, en Gaspésie. Ce qui m'a motivé à aller dans ce milieu-là, c'était vraiment l'image. C'était la photo. J'adorais ça quand j'étais tout petit, prendre des photos avec la caméra de mon père qui n'avait pas de film dedans, là, comme plein d'entre nous. J'ai appris mon métier à Montréal comme directeur photo. Tout d'abord, ça a été ma porte d'entrée dans le monde du documentaire parce que je suis je travaille dans le documentaire depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Donc, j'ai commencé assez jeune. J'ai eu la chance d'embarquer comme assistant de production sur des équipes en documentaire à Montréal. Puis c'est là que j'ai commencé à accumuler mon expérience. Puis en 91, si je ne me trompe pas, j'avais fait une production pour CBC qui s'appelait Road Movies. Et puis on était 8 jeunes qui avaient été sélectionnés partout au Canada. Puis on avait à faire un peu comme la course Destination Monde. On avait à faire un topo de 4 minutes par semaine. Puis on était seul avec une caméra. Donc c'est vraiment là que je dirais que ça a décollé pour moi. Le monde de la réalisation, de la scénarisation, là, tu sais, vraiment, pas juste être derrière la caméra, mais la base du documentaire, c'est d'être en contact avec le monde et puis de vouloir en savoir plus sur le monde. Puis c'est en 91 avec Road Movies que j'ai vraiment décollé ça. Les photos que j'expose à Bonaventure, c'est des photos qui ont été prises lors de la production des Artisans du changement, particulièrement les deux premières années des Artisans du changement, qui sont une série qui a été produite par le groupe PVP à Matane. Et puis, on était en tournage, puis j'avais toujours ma petite caméra avec moi. Puis cette série-là, c'était extraordinaire parce que ça nous a amené dans des univers formidables, rencontrer des gens qui changent le monde de façon positive. Donc, c'est des photos de... pas de voyage, pas non plus de tournage, parce qu'on voit pas les gens en tournage. C'était les personnages avec lesquels souvent on avait travaillé ou des gens que je croisais dans la rue. Vu que j'avais une grosse caméra, j'avais besoin d'avoir une toute petite caméra photo. Je pouvais pas avoir deux appareils puis plein d'équipements. Donc j'ai une toute petite caméra, puis c'est toujours un cliché, clic, avec une lentille. Toujours j'ai eu la même lentille tout le long du projet. Puis l'idée c'était c'est une lentille qui me forçait en plus à m'approcher des gens. Parce que c'était pas une lentille télé. Il fallait vraiment que je sois près des gens si je voulais les voir comme il faut. Donc, les photos que j'ai prises, c'est tout d'abord pour moi une tentative de capter, je dirais, l'âme des gens ou le cœur des gens d'une façon... c'est dur à expliquer, mais oui, c'est sûr que mes photos, c'est des photos très documentaires, très photo-reportage. Et... même en documentaire, j'ai cette obsession-là à être tout près des gens. J'ai de la misère à l'expliquer. C'est comme si pendant le tournage, pendant le moment que je fais l'image, pendant le moment que je prends la photo, je vais être tellement près d'eux, c'est comme si je faisais partie de leur quotidien. C'est comme pour le moment de la photo, je suis leur voisin. C'est une proximité, en fait, que je cherche. C'est le point en commun que j'ai entre mon travail de directeur photo documentaire et les photos que j'ai tenté de prendre lors du tournage. Une des photos que j'aime particulièrement, qui a été faite vraiment, c'est un cliché que j'ai fait en marchant, en croisant une petite fille à Accra, au Ghana, qui me tire la langue avec sa chaudière en plastique. Tu vois, ça, c'est des moments comme ça où on rentre par la porte d'en arrière. Tu vois, on était dans un quartier populaire, en fait, d'une slum, là, le mot français ne me vient pas à l'esprit, de toute façon, un bidonville de Accra. Puis voilà, on est là. Normalement, en voyage, c'est des lieux où on ne va pas. Des lieux même qui nous font peur. On se dit, mais la photo, le documentaire nous amène à pousser les limites, en fait, de la proximité. Parce que c'est gênant prendre une photo de quelqu'un. Ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Puis j'ai encore gêné à filmer les gens, puis à m'approcher tout près, puis prendre les instants de leur quotidien. C'est comme un peu... tu as l'impression de les déranger, tu sais. Donc, c'est voyeur, exactement. Puis voilà. Donc, ce moment-là, je l'aime particulièrement. Il y avait vraiment un instant, là. La petite fille, tout était parfait. C'est un alignement, tu sais, c'est comme la vie. La photo, c'est ça qui est extraordinaire. La vie, c'est comme, tu sais, tout bouge, tout bouge, tout bouge. Puis à un moment donné, il y a comme un instant que tu vas chercher. C'est ça, c'est la photo.